ça c'est la topographie. Vous voyez, ici, il y a une petite montagne, une vallée, là, une rivière. Je ne peux pas transformer une rivière en une montagne. Et je vais escalader cette montagne à ma manière. Vous aussi. La différence entre nous, ce n'est pas que vous voyez une montagne, là, une vallée. C'est le fait que vous allez, si vous la voyez comme je la vois moi, vous la identifiez à sa place rigoureuse. Vous allez la monter à votre manière, c'est ça la différence. Mais tous les deux, on va faire le même crescendo. On ne peut pas changer, avec l'ignorance qui est la caractéristique de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on ne peut pas descendre là où on doit monter. Que Toscanini monte à sa manière et que vous montez à la vôtre, ça c'est une différence inévitable. C'est là la différence. Mais c'est par ignorance qu'on a confondu les montagnes et qu'on a fait des ritenuti et qu'on pensait que ça c'est encore une valse. Oh. Oh, ça c'est de l'imbécilité. Mais ça nous fait descendre à un niveau de perception parce qu'il avait un toucher formidable. Ça sonnait. Je ne peux pas le jouer comme lui. C'était un monde en soi, oh, déjà. Mais quelle relation avec celui-là? Sinon, j'ai été très lent. Je dois maintenant revivifier un peu avec un peu de vite, non? Oh, c'est tout aussi simple, aussi bête que ça. Tandis qu'une valse, elle marche. Oui, c'est ça. À quel niveau, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une vallée. Et c'est la modulation qui résout. Mais il l'associe avec l'élément le plus simple, le plus primitif, le plus idiot, je dirais. Ça veut dire, je résous. Et j'annule aussi le tempo. Ça veut dire, cette propulsion qui me porte en avant. Et puis, je récupère, parce que je ne peux pas rester dans le non-faire. Je reprends. Ah, ça a déjà travaillé sur vous. Vous savez même ce que je vais faire maintenant. Je vais de nouveau courir. Oui? Oh, comment on fait? Vous voyez, puisque ça va sur une marche très faible, associer ça aussi, défaire complètement, sans aucune rigoureuseté musicale. Comme c'est douloureux. Et puis, c'est tourmenté. C'est zéro, c'est pas de la musique. C'est une série de perceptions. Ce que je vous dirais, en succession, l'une après l'autre, aucune idée d'une continuité musicale. Qu'est-ce que c'est la musique sinon une forme de continuité dans le temps. Même chose.